Très bien. Je propose qu'on commence alors. Suzanne, vous êtes prête? Oui. Très bien. Alors, bonsoir à tous qui êtes dans la chambre Zoom ou bien qui nous suivez sur Facebook pour cette nouvelle soirée de la plateforme culturelle virtuelle Aîné. Et comme introduction, je voulais simplement vous dire que il y a des œuvres artistiques qui nous parlent à une distance de centaines et parfois même de milliers d'années. Nous, on s'appelle Aîné, donc c'est sûrement une œuvre qui nous parle encore après 2000 ans. Ce sont des œuvres que le temps n'atteint pas et qui, au contraire, peut-être dévoilent avec les siècles une actualité toujours plus cinglante. Et probablement parce qu'elles parlent des questionnements éternels du cœur humain, de ses exigences de beauté, de vérité, de justice. Et en ces temps de guerre, de violence, de mensonges, d'apparence, nous avons voulu faire ce soir un saut vers la fin du Moyen Âge pour regarder ensemble une fresque qui se trouve à Sienne et qui est appelée la fresque du bon gouvernement. Et pour nous la présenter, nous avons avec nous Suzanne Paoli, qui est historienne de l'art et guide conférencière. Alors, je vous rappelle que, comme d'habitude, après son exposé, il y aura du temps pour poser nos questions. Et maintenant, Suzanne, je vous laisse la parole. Merci. Alors, bonsoir à tous et merci pour cette invitation. Alors, je commence à vous dire que ce moment est né suite au témoignage d'une amie, notamment Jean-François, lors de notre vacances d'été et quand elle nous a raconté de sa vie à Moscou ces derniers mois et les conséquences dans sa vie et celles de ses amis de la guerre en Ukraine. À la fin de son témoignage, il a mentionné l'œuvre dont nous allons parler ce soir et j'ai immédiatement eu le désir de la revoir et de l'étudier à nouveau comme une aide pour vivre les moments présents. Par le passé, j'ai eu l'occasion de la regarder attentivement et de l'étudier, notamment grâce à un très cher ami qui a passé beaucoup de temps à analyser cette œuvre, donc Mariella Carlotti. Et comme ça, on part à la découverte de cette œuvre. Et on fait un pas derrière, mais on part de l'origine de la ville de Sienne. La légende veut qu'Ascius Essenius, fils de Rémus, y ait fui Rome pour échapper à la colère de leur oncle Romulus, après avoir volé la statue de l'Urbe, la louve aux Gémeaux, dans les temples d'Apollon. Les deux frères ont fondé Sienne, dont les couleurs sont les noirs et les blancs, comme les deux nuages de fumée qui se sont élevés lorsqu'ils ont offert les premiers sacrifices à Diane pour la ville érigée. Mais il s'agit d'une des nombreuses légendes sur l'origine de la ville, qui a toutefois conservé la louve et les gémeaux, on va les voir après, ainsi que les deux couleurs dans les armoiries de la ville. Mais c'est après la victoire inattendue de la bataille des Montaperti en 1260 contre les Florentins que Sienne se consacre à la Vierge. On peut passer avant avec les slides. Merci. Et donnant une forme définitive à une conscience civique qui mourit lentement. Vous voyez la ville de Sienne offerte par la Vierge.
Mais on va avant avec les slides. La Piazza del Campo, qui vous voyez ici avec sa forme très particulière, avec les palais publics, est construite dans ces périodes. Quelques années plus tard, en 1287, naît le gouvernement des Nefs, qui reste au pouvoir jusqu'en 1355 et apporte la paix et une prospérité considérable à la ville. Donc, pendant ces 70 ans, la ville a pris l'aspect que nous lui connaissons et ce sont les années où fleurissent les grandes artistes sinoises tels que Duccio, Simone Martini et les frères Ambrogio et Pietro Lorenzetti. Au début du XIVe siècle, Duccio réalise la Maestà pour la cathédrale et Simone Martini livre la Maestà pour les palais publics dans la salle del Mappamondo. L'autre slide. Et voilà. À côté, cette pièce, cette salle, c'est à côté de la salle que nous allons observer et qui a été réalisée par Ambrogio Lorenzetti entre 1338 et 1339. Mais qui est Ambrogio Lorenzetti? Certainement un élève de Duccio, lui-même élève de Giotto. Ambrogio mêle les gouttes pour les couleurs typiques de l'école sinoise, avec la plasticité, la tridimensionnalité du monde figuratif de Giotto. Ambrogio est né à Sienne en 1285 et il est mort en 1348, l'année de la peste. Après le départ de Simone Martini pour Avignon, la possibilité s'ouvre pour Ambrogio de recevoir les commandes publiques jusqu'alors confiées à son concitoyen le plus célèbre. Donc, c'est la salle du Mappamondo, du palais public, dans laquelle Simone crée la Maestà, que vous pouvez voir, on passe à l'autre. Et il s'agit d'une pièce destinée aux réunions des administrateurs de la ville. Et ici, l'enfant que vous voyez dans les bras de la mère tient un parchemin avec l'incipit du livre de la sagesse. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. En effet, seule la recherche de la justice peut dominer l'âme des responsables de la res publica. L'inscription qui longe les bords inférieurs est la réponse de la Vierge aux demandes des mécènes de la ville. On passe. Marie-Agnès, si tu peux lire. Bien-aimés, rappelez-vous que vos prières pieuses et honnêtes, comme vous le demandez, je les exaucerai. Mais si les puissants sont méchants envers les faibles, les accablant de déshonneur et de mal, alors vos prières ne sont pas pour ces hommes, ni pour quiconque trahit ma terre. Donc, la Maestà devient ainsi le point de départ de l'interprétation des fresques de la salle des Neufs, peinte par Ambrogio 20 ans après l'œuvre de Simone. Les fresques du bon gouvernement, on passe, merci. Nous sommes dans la salle du palais public de Sienne où se réunissaient les gouvernements des Nefs, également appelée salle de la paix. Elle mesure 14 mètres sur 8 et les fresques sont réparties sur 3 murs, comme vous pouvez voir.
Sur les murs sud, une grande fenêtre donne sur la place du marché. La lecture du cycle des fresques commence avec l'allégorie du bon gouvernement. C'est ça. Mur nord. Où nous pouvons le dire, car c'est la seule fresque signée, vous voyez en bas Ambrosius, et la légende qui accompagne l'œuvre a une initiale plus grande et plus ornée que les autres. Et nous sommes également aidés par les nombreuses légendes qui accompagnent l'œuvre et qui nous aident à la comprendre. Avant. Merci. Cette sainte vertu, la justice, partout où elle règne, conduit à l'unité la multitude des âmes. Et celles-ci, rassemblées à cette fin, font du bien commun leur Seigneur, lequel, pour gouverner son état, choisit de ne jamais détourner les yeux de la splendeur des visages, des vertus qui se tiennent autour de lui. Aussi est-ce à lui que l'on donne en triomphe impôts, tributs et seigneuries. Aussi s'en suivent, sans guerre, tous les effets utiles, nécessaires et agréables pour la cité. Donc, à gauche, on voit, on passe à l'autre. Merci. À gauche, on voit l'allégorie de la justice. La sainte vertu, c'est une femme vêtue de rouge qui regarde l'allégorie de la sagesse de Dieu dont elle reçoit l'inspiration. Ah non, vous voyez cette figure. Les bâtons de la balance. Entre les deux figures se trouve le verset d'ouverture du livre de la sagesse. Diligite justitiam qui judicatis terram. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. C'est-à-dire la même phrase que celle inscrite sur le parchemin tenu par l'enfant dans les fresques de Simone Martini dans la salle voisine. La justice ne peut fonctionner sans la sagesse. Ce n'est pas elle qui tient la balance. Sans la recherche de la vérité et du bien comme un don de Dieu. Initium sapiense timor domini. Le commencement de la sagesse est la crainte, c'est-à-dire la conscience du Seigneur, comme il est dit dans les Siracides. Donc, de part et de l'autre de la balance se trouvent les deux dimensions de la justice. Distributive et commutative qui régit les relations publiques et commutative qui régit les relations privées. À gauche, la justice distributive qui donne à chaque homme ce qu'il mérite, elle coupe la tête des meurtriers faisant tomber les poignards de sa main. Et couronne les guerriers dont l'épée et la paume indiquent la victoire. À droite, la justice commutative qui garantit l'honnêteté du commerce avec un ange qui remet à des marchands les unités de mesure. Des fils descendent des deux anges qui deviennent une corde dans les mains de Concorde, c'est la femme en bas, représentée comme une femme tenant un rabot, on passe à l'autre, un rabot, vous voyez, il est écrit Concordia, un rabot sur ses genoux pour supprimer la rudesse des relations sociales. La corde passe ensuite, vous voyez, de la main de la Concorde à la main de cet homme, entre les mains des 24 citoyennes, habillées de diverses manières
et représentant le gouvernement des 24, sur le règne duquel Sienne a remporté la bataille de Montaperti contre les Florentins en 1260. L'accord lie lâchement les citoyennes pour finir dans les mains du vieil homme. Vous voyez, oui, ici, la corde qui remonte, qui domine la côte, les côtés droits de la fresque. Il représente la commune de Sienne, habillée en noir et blanc, les couleurs héraldiques de Sienne et les initiales que vous pouvez voir alentour de la tête. CSCV. Comune Senarum Civitas Virginis. Commune de Sienne, ville de la Vierge. Ainsi que les sceaux de la ville peintes sur les boucliers. On voit pas trop bien, mais je vous assure qu'il y a. Portant l'image de la Vierge à l'enfant avec l'inscription que la Vierge préserve l'ancienne Sienne, qu'elle rende elle-même belle. Donc l'image du vieil homme est certainement aussi celle du bien commun, ce qui en fait une allégorie plus universelle selon qui est dit dans l'inscription. On passe, merci. Le cœur des hommes épris de justice connaît une unité qui les fait tendre vers le bien commun, condition de prospérité et de paix de toute communauté humaine. La commune, donc, n'est pas un appareil politique bureaucratique. C'est la communitas qui s'ordonne pour réaliser les biens communs. Au-dessus des vieils hommes, non, passe à l'autre. On passe avant encore, oui. Encore avant. Encore, oui, c'est bien. Et donc, au-dessus des vieils hommes se dressent trois figures. Les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité avec leurs attributs. La croix pour la foi, les regards envers le Christ pour l'espérance à droite, et au centre la charité qui, le cœur brûlant, fait passer les intérêts communs avant les intérêts privés, était la racine de l'amour de la patrie. À côté de l'ancien homme, sont assises six figures féminines. On passe avant. Merci. Et représentant les quatre vertus cardinales, c'est-à-dire les pierres angulaires de la vie morale de l'homme, ou les vertus politiques par excellence. La force d'âme, c'est la deuxième à partir de gauche, avec un bouclier et une épée. La prudence, à côté, avec un arc où est écrit « Preteritum, presens, futurum », indiquant son évaluation avisée de l'expérience passée, la conscience de la réalité présente et les scénarios futurs possibles. À droite, nous trouvons la tempérance avec un sablier indiquant les sens du temple et de la mesure, et la justice avec les attributs de la justice distributive. On ne voit pas, oui. Donc, la tête coupée et la couronne. À ces quatre figures, s'en ajoutent des autres, la magnanimité et la paix. Vous voyez, sont
la centrale et la paix, c'est la première à gauche. La première tient une couronne et un récipient de prières précieuses. C'est la grande âme capable d'un horizon ample qui sait redimensionner les intérêts mesquins et penser au bien de tous. La paix est au centre de la grande composition et plus qu'une vertu, elle est le but de toute l'allégorie du bon gouvernement. Opus justitiae pax. L'effet de la justice est la paix, dit Isaïe. Elle est représentée comme une belle femme mollement allongée sur les armes. Vous voyez, dessus, il y a les armes. Tenant une branche d'olivier qui entoure également sa tête. C'est le cœur de la fresque, car c'est le cœur du désir humain. On passe avant. Comme l'indique l'inscription, la commune, le vieil homme, doit garder le regard fixé sur les vertus. Si cela se produit, la ville jouira de la prospérité et de la paix. De fait, sur les vertus se tiennent les soldats. On passe avant encore. Oui. Vous pouvez voir les soldats ici à droite qui protègent les 24 bonnes citoyennes et contrôlent un groupe de personnes à l'extrême droite de la fresque soumis à la commune. Ici, nous voyons des hommes. Vous voyez ici, oui, c'est des hommes qui offrent un château, c'est plus à gauche, un petit peu plus, oui, c'est là. Un château est les clés de la ville, tandis que les criminels, attachés avec une corde réelle et non pas comme les bons citoyens avec celle symbolique de la concorde, attendent le jugement. En résumé, nous pouvons dire que l'allégorie s'articule sur trois niveaux. Dans la bande centrale, les vertus et les institutions qui doivent présider à la vie politique, à partir de la gauche, la justice, la commune et les vertus. Au sommet, les vertus inspirées et rendu possible par les dons de la sagesse divine et la connaissance de l'être révélé par le Christ, foi, charité et espérance. En bas, les fruits des vertus mises en œuvre dans la vie de la cité par l'action des hommes, librement liés par la concorde. Celle allégorie représentée à ce niveau où des personnages réels sont représentés. Donc, on passe à les effets. Sur les murs orientaux, on passe à l'autre, avant, se trouvent les grandes fresques des effets du bon gouvernement, divisées en deux grandes scènes. La ville et la campagne. L'inscription qui court le long du bord inférieur de la fresque nous aide à l'interprétation. Avant. Vous qui administrez, tournez vos yeux pour regarder celle qui est représentée ici et qui est couronnée pour son excellence, qui rend à chacun son droit, à chacun ce qui lui revient. Voyez combien de bien vient d'elle, et comme la vie est douce et sereine dans la ville où l'on respecte la justice, cette vertu qui brille plus que tout autre. Elle surveille et défend ce qui l'honore et la nourrisse. De sa lumière provient le mérite pour ceux qui font le bien et le châtiment pour les injustes. Ambrogio,
a voulu peindre ici combien douce et reposante est la vie de la cité dans laquelle la justice brille au-dessus de toutes les autres vertus. À gauche, avant. À gauche, une belle ville qui fait évidemment penser à Sienne avec son cathédrale, la Dôme, vous voyez, et son campanile. C'est une ville en pleine expansion. On peut voir les maçons au travail et elle est très soignée et décorée. Les fenêtres à meneaux, la cage avec les oiseaux, les vases de fleurs. Le travail bat son plein partout. Un tailleur avant. Avant encore. Les maçons qui travaillent. Avant. Oui, merci. Un tailleur qui coud, un atelier d'orfèvrerie et peut-être un bureau d'échange. Au centre, un cordonnier. Une cordonnerie, pardon, et une épicerie. À droite, toutes les activités liées à l'art du textile, avec un métier à tisser en premier plan. Alors que tout le monde est au travail, il y a ceux qui étudient. On peut en effet voir une salle de classe, vous voyez, au centre ici, dans laquelle un professeur donne un cours dans une atmosphère concentrée. Sur la droite, avant, encore, ça c'est la classe, encore, pardon. Oui, c'est bien. Sur la droite, la scène se couvre d'hommes et d'animaux pour... Il faut revenir derrière. Oui, merci. Se couvre d'hommes et d'animaux pour signifier l'échange fructueux entre la ville et la campagne. Un paysan s'arrête chez le cordonnier tandis que son âne allait son petit. Un autre porte des œufs chez l'épicier avec une mule chargée de ballots. Des autres personnages avec des mules chargées de balles de lin vont chez les tisserands et des femmes portent des paniers et des oies tandis qu'un berger quitte la ville avec son troupeau. Nous assistons à l'exaltation du travail humain qui résulte de cette conception du travail issue de la tradition chrétienne. Nous observons la même scène qui se répète chaque année dans nos crèches. Non? C'est la scène de travail. Les scènes de travail sont accompagnées d'autres détails intéressants. À gauche, on passe avant. Oui, merci. Une procession avec une jeune fille vêtue de rouge, chevauchant un cheval blanc pour se rendre à son mariage. En effet, lorsque la ville est en paix, les familles se forment, les enfants naissent et grandissent sereinement. On voit deux personnes discuter tandis que des hommes jouent aux dés. C'est la vie douce et reposante assurée par la justice. Aucun souci matériel n'excelle les habitants. Le travail est serein, presque sans effort, mais il y a aussi la place pour les plaisirs. Les cortèges des mariages symbolisant la concorde ou encore la chasse, la danse, les chants. Le climat de sérénité est résumé au premier plan. Avant encore. Merci. Est résumé en premier plan par la danse des neufs
de 9 personnages plus grands que les autres, peut-être une allusion au gouvernement des nefs. L'intention est certainement de dépeindre dans ces groupes festifs la concorde de la ville, la célébration d'un peuple vivant dans l'histoire un avant-goût de son glorieux destin. Il est significatif que les deux fresques, la majesté et les effets du bon gouvernement, soient situés sur les mêmes murs orientaux dans les deux pièces adjacentes, s'opposant au mauvais gouvernement et ses effets sur les murs occidentaux. Il s'agit certainement d'une juxtaposition délibérée qui souligne les deux pôles de l'existence humaine. La vie heureuse jusqu'à la gloire du paradis réservée à la liberté qui poursuit les biens et les châtiments qui préfigurent déjà l'enfer pour l'homme qui choisit le mal. Au-dessus de la porte se trouve la figure des Securitas, vous voyez, représentée comme une victoire ailée. Un nu féminin rappelant les modèles classiques et tenant dans sa main gauche la silhouette d'un pendu et dans sa droite une cartouche avec une inscription. Sans crainte que chaque homme marche paisiblement et en travaillant que chacun s'aime, tant que la municipalité vit dans la justice, car les méchants seront rendus inoffensifs. Tant que la municipalité vivra dans la justice, les hommes pourront vivre, voyager et travailler sans crainte, car les méchants seront rendus inoffensifs. Il s'agit d'une allusion au coupable attaché dans l'allégorie et rappelée par l'image du pendu que Securitas tient dans sa main. La vie sans père est bien décrite dans la scène des chasseurs quittant la ville à cheval, avec leur faucon, vous voyez dans la main, et leur chant, tandis que d'autres chassent déjà à l'arbalète, parmi les vignes et les oliviers, et dans les chaumes. Avant, il y a ce particulier qui vous pouvez voir, non? Un couple franchit la porte de nombreux paysans vont vendre leurs produits dans les villages, œufs, farine, blé, et un cochon typique de la région, la cinta senese, vous voyez le cochon ici, bien, avec sa couleur noire et blanche, caractéristiques. Mais il y a aussi un petit particulier qui pour moi c'était vraiment étonnant. Il y a aussi un mendiant. On passe avant. Merci. Un mendiant assis le long de la route. Et c'est un point essentiel, car ce n'est pas un monde utopique, mais un monde idéal que Lorenzetti dépeint. L'utopie consiste à remplacer le réel par une image qui trouve son attrait dans son caractère irréalisable. C'est la grande tentation de la modernité. Le Moyen-Âge, lui, est traversée par une aspiration idéale. Celle-ci n'oublie pas les éléments du réel, mais vise à réaliser un monde dans lequel la beauté est déjà vécue. Plus loin, nous voyons une famille avec des ânes qui portent les enfants, tandis qu'un peu plus loin se trouve un pont avant, traversé par des bêtes des sommes chargées des produits de la campagne, en dessus duquel coule un ruisseau. Et au loin, nous voyons un moulin
avant, vous voyez ce bâtiment, c'est un moulin. La campagne regorge d'activités qui se déroulent à différents moments de l'année, mais ils sont ici représentés simultanément. La bure, sémie, récolte, battage. On va avant, oui, on voit tous les détails. On voit des fermes, des terres labourées, des bergers qui veillent sur les troupeaux. Le travail humain refait de la terre un jardin et ennoblit l'homme qui l'accomplit. Ces paysans au travail ont la dignité de ceux qui ont conscience de participer par leur travail à la grande œuvre de la création. Les paysages en arrière-plan est typiquement avant. Sinoise. Les verts et la douceur du Chianti, les rudes et la sécheresse de la Crète, jusqu'à Montagnata et à la Maremme. Sur la droite se trouvent également les châteaux indiqués comme Talamone, vous pouvez les voir à droite, et ici aussi la mer. Les ports conquis par les gouvernements de Neuf. Et on passe au mauvais gouvernement. Donc, sur les murs ouest, donc à gauche de la salle, se trouve les troisième grandes fresques, très endommagées, divisées en trois parties. L'allégorie du mauvais gouvernement, les effets du mauvais gouvernement dans la ville et les effets du mauvais gouvernement à la campagne. Cette fresque comporte également trois inscriptions réparties de la même manière que sur l'autre fresque. Avant. Merci. La justice est liée. Personne ne se lie au bien commun, ni ne tire correctement sur la corde. La tyrannie prend le dessus. Qui, pour accomplir son iniquité dans sa volonté et dans ses actes, puise dans les vices dont la nature est pleine et qui lui sont propres. La tyrannie fait fuir ceux qui sont orientés vers le bien et appelle à elle ceux qui font le mal. Elle défend toujours ceux qui agissent par la force, ceux qui volent et qui détestent la paix. Ainsi, toutes les terres qu'elle gouverne sont en jachère. Donc, là où la justice est liée, au lieu de lier les citoyennes par les liens de la concorde, comme c'est le cas dans les bons gouvernements, personne ne cherche les biens communs. Ainsi naît la tyrannie. Avant. Je vous interromps un instant parce que j'ai des marques sur l'écran que je pense voir tout le monde. Alors j'interromps et je recommence. Voilà. Merci. Donc ainsi naît la tyrannie, institution opposée à la commune, entourée de tous les vices. Ces gouvernements favorisent ceux qui font le mal et ruinent donc la ville et les pays. Il faut croire que la tyrannie était ressentie comme un réel danger par les communes de l'époque. Les fresques montrent une figure diabolique, vous voyez au centre, la tyrannie au pied de laquelle se tient la justice, la femme vêtue en blanc, liée sans couronne entre les plateaux d'une balance brisée, vous voyez ici. La tyrannie tient un poignard et une coupe d'or tachée de sang. Sa méthode, la violence, et son but, la richesse.
avant. Elle louche avant encore. Oui. Ne voit pas bien et possède tous les attributs lucifériennes. Cornes, pattes, griffes, ailes des chauves-souris. Ses pieds reposent avant. Repose sur un bouc, symbole de la luxure. C'est un pouvoir solitaire, enfermé dans une ville dont seuls les soldats sortent et entrent. Il n'y a pas de peuple au pied de la tyrannie, contrairement au pied de la commune. Au-dessus de la figure infernale domine l'orgueil, l'avarice et la vaine gloire. L'orgueil, avant, avec une expression hautaine, tient un poignard et un joug détaché dans ses mains. C'est le joug de l'humilité, sa vertu opposée. Ça, c'est l'avarice, c'est notre, mais ça, c'est l'avarice. Non, on n'a pas les détails. L'avarice a un crochet et tient de son autre main griffue deux sacs de pièces de monnaie dans une presse pour sa convoitise. La vaine gloire est représentée par une jeune femme belle et élégante. Avant encore, oui, qui se reflète dans les miroirs. Mais qu'il tienne une branche flétrie dans ses mains. Autour de la tyrannie, les vices sont ont pour dénominateur commun l'égoïsme, la recherche de l'intérêt personnel à tout prix et la mépris des autres. En partant de la gauche, nous trouvons la cruauté. Donc ici, sont les trois figure à la gauche de la tyrannie. Donc, on part de la cruauté qui terrorise un enfant avec un serpent. La trahison qui tient un agneau avec une queue de scorpion. Et la fraude avec des ailes et des griffes de chauve-souris. Sur la droite, on trouve les fourreurs en centaure à tête d'animal, tenant une pierre et un poignard. Puis la division, une femme habillée aux couleurs des siennes, noire et blanche, sur laquelle on peut lire oui et non, si, non. Qui tient un scie à la main en net contraste avec les rabots de la Concorde. Enfin, la guerre est représentée avant, je dois avoir les détails, non, pardon, derrière, merci. La guerre est représentée par un soldat vêtu de noir qui a l'intention de tuer en contraste avec la figure blanche tendue de la paix. En bas à droite de la justice liée, on trouve des scènes de violence et de douleur. Des hommes se disputent en enfants et des exilés. Puis la ville enlaçant des cadavres au sol. Alors, après avoir décrit les mauvais gouvernements, nous sommes introduits dans la vaste désolation des effets, rendue encore plus fort par l'exemple lacune de la fresque. La première chose qui frappe est la différence de luminosité entre les deux fresques. Comme le notait déjà Bernardin de Sienne, voir la paix peinte est une joie, tandis que c'est une obscurité de voir la guerre peinte de l'autre côté.
L'inscription est au premier abord lacunaire, mais en plus de décrire la scène, elle adresse à l'observateur une invitation à renverser tout tyran et à chérir la justice, source inépuisable de paix. Avant. Et pour les faits, là où la tyrannie prévaut, la suspicion est grande. Les guerres, les vols, les trahisons et les tromperies. Il est nécessaire de prendre le dessus sur la tyrannie et mettre l'esprit et l'intellect en soumettant chacun à la justice à tout moment pour éloigner un tel mal en renversant les tyrans et que ceux qui veulent troubler la justice soient chassés dans le désert à cause de lui, avec tous ses partisans, en la fortifiant pour votre paix. La ville est désolée. Tout tombe en ruine. Il n'y a plus trace de beauté et d'harmonie. Des hommes dévastent un palais, vous voyez, panneau, devant lesquels se trouve un tas de gravats. Mais le délabrement des bâtiments n'est que l'indication immédiate de ce qui arrive aux hommes. Tout d'abord, il n'y a plus de travail. On ne voit plus d'ateliers, d'activités artisanales et commerciales. Au centre de la composition, seul l'armurier travaille à forger des armes et des cuirasses, instruments de mort. Doit être les détails. Merci. Là où il n'y a pas de travail, il n'y a pas de repos, pas de dialogue entre les hommes, pas de fête. Le seul signe de relation humaine est la violence. Au premier plan, une femme vêtue de rouge, comme la mariée est traînée de force par des soldats, tandis que devant elle gît les corps d'un homme assassiné. La porte de la ville n'est plus le point de passage d'unité entre la ville et la campagne. Celle des hommes armés en sort, prêts à ravager la campagne. Lorsque la coexistence humaine n'est plus dominée par la tension vers la vérité et les biens, il ne reste que la violence comme règle de toutes les relations entre les hommes et les choses. Avant. Une sombre figure ailée et armée d'une épée, c'est si différent de la splendide Securitas, inaugure une campagne dévastée. C'est la paix qui domine la campagne. La terrible créature tient un parchemin sur lequel on peut lui lire. Pour vouloir son propre bien sur cette terre, la justice est subordonnée à la tyrannie, car sur cette route, personne ne passe sans craindre la mort. Et à l'extérieur et à l'intérieur des portes, on vole. Même avec les diverses lacunes de la fresque, on perçoit les sentiments de dévastation du territoire, d'un gouvernement dans lequel l'asservissement est la justice de la tyrannie. Et la raison de cet asservissement est la prédominance du bien propre, de sa propre mesure, étroite et de son gain mesquin. Cela empoisonne la vie sociale et personnelle parce que ce n'est pas la stature du désir humain. À tel point que lorsqu'une ville adopte ces critères réduits, la vie est toujours dans la crainte de la mort. Il n'y a pas de certitude et l'ancienne Homo homini lupus revient. La campagne est un culte. On voit des incendies, des maisons et des ruines. Il n'y a plus de paysans au travail ni de marchands en déplacement. La seule présence humaine dans ces paysages dévastés est celle du groupe d'hommes armés décidés à piller.
La paix domine dans ces vastes paysages rendus encore plus sinistres par les couleurs livides. Donc, on va à la conclusion, mais il y a une petite surprise parce qu'un élément est apparu il n'y a pas longtemps et nous aide encore plus à comprendre la signification de cette œuvre extraordinaire. En fait, en 1944, Sienne fut gravement endommagée par les bombardements. Et en particulier, la basilique de l'Osservanza fut rasée, où se trouvait un magnifique crucifix en bois dont on ne connaissait ni l'époque ni l'auteur, qui fut pratiquement pulvérisé et dont on ne retrouva que quelques fragments, dont une bonne partie de la tête. Et la surprise fut grande lorsqu'on découvrit des parchemins, l'un à l'intérieur de la tête et l'autre dans les genoux gauches. Il s'agissait des textes autographes de l'auteur de l'œuvre, Lando di Pietro. L'auteur et l'année de création de l'œuvre ont ainsi été découverts. Année de notre Seigneur 1337, Jésus-Christ, par ta miséricorde, te recommande l'âme de Lando di Pietro, orfèvre, qui a réalisé ces crucifix. Quant au parchemin trouvé dans la tête, il contient une longue prière à la Vierge et au Saint pour qu'il confie à Dieu son destin, celui de sa famille et de toute la génération humaine. Avant encore. Marie Agnès. Le Seigneur Dieu a fait sculpter cette croix dans ce bois par Lando di Pietro de Sienne, à l'image du vrai Jésus-Christ, pour rappeler au peuple la passion de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et de la Bienheureuse Vierge Marie. C'est pourquoi vous, vraie sainte croix de Jésus-Christ, Fils de Dieu, rendez à Dieu le dit Lando. Ô Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ, Fils de Dieu, prie la sainte croix de ton Fils, pour qu'il rende à Dieu le dit Lando. Ô Jean l'évangéliste, disciple bien-aimé de Jésus-Christ, Fils de Dieu, prie la sainte croix de ton Fils, pour qu'il rende à Dieu le dit Lando. Ô Jean le Baptiste, qui avait rendu témoignage à Jésus-Christ, Fils de Dieu, priez la sainte croix de votre Fils, pour qu'il rende à Dieu le dit Lando. Ô Madeleine, amante de Jésus-Christ, Fils de Dieu, prie la sainte croix de ton Fils pour qu'il rende à Dieu le dit Lando. Tous les saints hommes et femmes, prie Jésus-Christ, Fils de Dieu, d'avoir pitié du dit Lando et de toute sa famille, de les mettre en sécurité et de les protéger des mains de l'ennemi de Dieu, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, ayez pitié de toute la génération humaine. Amen. En l'an de grâce 1337, au mois de janvier, cette figure a été faite à la ressemblance de Jésus-Christ crucifié, le Fils vivant et véritable de Dieu. C'est lui que nous devons adorer et non ce bois. Donc, l'année même où Ambrogio Lorenzetti peignait les bons gouvernements du palais public, une autre grande artiste sinoise sculptait la grande crucifix. Paradoxalement, la destruction même de l'œuvre a révélé à tous le cœur de l'artiste. Et c'est cette tension vers l'idéal que l'homme vit dans les secrets de son existence quotidienne et qui cache dans son œuvre la racine mystérieuse qui s'épanouit dans l'harmonie de la sienne que Lorenzetti a représentée sur ces murs. Donc, merci de votre patience avec mon français.
Merci beaucoup, Suzanne. Merci beaucoup. On a un petit temps pour poser quelques questions. Moi, j'ai d'abord une remarque plutôt très banale, en fait, mais j'ai toujours été frappé dans cette fresque par le fait que le visage de la tyrannie, le masque de la tyrannie est vraiment le masque des tyrans, comme il ressemble à certains personnages de notre siècle, en fait. Je commence peut-être par une question, Suzanne, et puis après, je vous en prie, ouvrez vos micros et, ou levez la main. Moi, je me rends compte que devant une telle fresque, j'ai besoin que quelqu'un me l'explique. Et avant tout, donc, je vous sais plein de gratitude pour, pour nous avoir guidés justement dans ce catéchisme, presque, on va dire, catéchisme politique. J'ai besoin qu'on m'explique, qu'on me fasse voir les détails. Je voudrais comprendre, pour quelqu'un du XIVe siècle, c'était quelque chose de compréhensible directement, beaucoup plus que pour nous. Le travail a fait son temps pour nous éloigner d'une compréhension immédiate. Oui, alors ça c'est une très bonne question parce que nous sommes vraiment éloignés de cette manière de communication. Donc pour l'homme du Moyen-Âge, c'était beaucoup plus facile de comprendre des symboles, des signes, des figures. En tant qu'on parle de Biblia Pauperum, dans le sens que toutes les décorations du Moyen Âge sont vraiment pour nous, comme toi as bien dit, quelque chose qu'on doit étudier, interpréter, quelqu'un qui nous montre tout. Mais pour eux, c'était vraiment quelque chose de immédiate, non, de reconnaissable dans les formes, et ils avaient plus, ils étaient plus à l'aise avec l'image qu'avec les mots. Donc, sommes-nous qu'on est nuls dans cet endroit? Donc, oui. Merci beaucoup. Qui voudrait en profiter pour poser une question à Suzanne? Moi, je voudrais poser une question. Et moi? Alors, Suzanne, je voudrais te demander si tu sais des choses sur qui et comment a été commandé cet ensemble de fresques. Et donc, si tu veux, tu nous as donné beaucoup la lecture. On voit bien comment l'artiste a travaillé. Oui. Mais il y a une commande avant. Donc, il y a un pouvoir de la cité, un pouvoir politique qui fait le programme de cette commande. Est-ce que tu sais quelque chose là-dessus ou comment? Enfin, je trouve que c'est important aussi cette question. Mais alors, comme vous avez vu, il y a plusieurs références au gouvernement de Neuf. Donc, et c'était vraiment une période 70 ans de paix dans la ville avec ce gouvernement. Donc, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et c'est pour ça que le gouvernement demande à Ambrogio de faire cette fresque pour rappeler au futur, non, à la population de Sienne et les autres populations de se rappeler de cette possibilité qu'on a de vivre la paix. Donc, cette période aussi longue, c'était vraiment quelque chose d'incroyable dans le Moyen-Âge. Parce que déjà 10 ans de paix, c'est déjà beaucoup. Mais 70 ans, c'était vraiment exceptionnel. Et c'est pour ça que
Sienne, elle devienne une ville très puissante, très, très belle, et qui fait vraiment des pas énormes dans la découverte de beaucoup de choses au niveau artisanal, au niveau de la beauté en général. Et ça, c'est très, très important. Oui. Il faut commencer vraiment à étudier un peu plus cette période, à les montrer, parce que comme on sait très bien, il y a vraiment une quantité de détails, de particuliers. Par exemple, les fresques du bon gouvernement sont pleins de références à la Divine Comédie. Donc, ça peut être une autre lecture à faire, non? Dans le sens que Ambrogio il connaissait très bien Dante, et donc il a mis, tandis que quelqu'un dans la bande où il y a les 24 citoyennes, quelqu'un il a reconnu qu'un de cet homme est Dante même. Et parce qu'il y a un autre homme derrière qui fait sept signes de trois en indiquant les trois cantiques de la Divine Comédie. Donc, il y a vraiment beaucoup de détails qu'on peut découvrir, on peut commencer à lire, à réfléchir dessus. Et l'autre partie, c'est la partie plus artistique, dans le sens qu'il y a vraiment des choses magnifiques, non? Comme j'imagine, tu as remarqué, on peut voir vraiment des signes, une manière de peindre. Moi, je me suis arrêtée seulement à la signification de la fresque, pas au niveau de style. Mais on aura une autre occasion. OK. Ouais, j'avais une question toute simple. Je suis fascinée par le nombre de détails que tu as pu montrer, de petites scènes, de paysans, de personnes, d'artisans, de petits ateliers. Est-ce que c'était fréquent à cette époque-là d'avoir des fresques comme ça avec autant de... Un peu comme une bande dessinée pour nous? Ou est-ce que c'est quelque chose d'assez rare d'avoir une fresque comme ça avec tous ces petits détails présentés? Non, c'est pas rare. On peut voir surtout dans les vies des saints qui sont décrits dans plusieurs tableaux ou fresques, où il y a vraiment ce goût du détail. Donc, on peut vraiment reconnaître la vie quotidienne des hommes. Et ça, c'est une volonté des artistes du Moyen-Âge de mettre au centre les sujets de l'œuvre, mais à côté de montrer vraiment la vie quotidienne. Masaccio, plutôt que des autres, ils ont fait des œuvres magnifiques qui toujours, nous les regardons pour la partie, non, pour le sujet principal. Mais alentour, il y a une quantité de particuliers qui sont vraiment incroyables. Non? Mais c'est plusieurs fois, sont
au second plan, non, derrière. Donc, on va les découvrir seulement si on va l'étudier. Mais bon, oui. Est-ce que je peux demander si tu connais le à Trento? Oui. Il y a le château du Bon Conseil où il y a aussi un ensemble de fresques assez extraordinaires, tout aussi narratifs sur toute la vie quotidienne. Et je pense effectivement qu'au Moyen-Âge, même, je ne sais pas si on pense en France, les très riches heures du duc de Berry, il y avait cette capacité d'illustrer toute la vie quotidienne, tous les... Oui. Bon, comme on trouve aussi autrement dans les cathédrales. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est là, non? Tous les métiers à Trento, dans les châteaux, il y a cette magnifique description de tous les métiers, non? Donc, avec des détails incroyables. Mais la vie quotidienne, c'est vraiment les sujets à Chartres. On les voit très bien, comme l'autre jour, j'étais à Autun. Et là, sur chaque chapiteau, il y avait vraiment les sujets principaux, mais à côté des petits détails de la vie de chacun, non? Mais l'effet de mettre sur la façade des églises tous les métiers, chaque fois, c'est vraiment les signes, non, que la vie, cioè, le mystère, c'est. Et il est rentré dans la vie quotidienne du peuple. Donc, mais il y en a beaucoup. Hein, on peut choisir des autres et les regarder ensemble avec plaisir. Donc, est-ce qu'il y a des documents qui témoignent à l'époque de l'impact que cette fresque a eu sur la population, sur les gouvernants? Parce que là, tu as décrit tout ce que le peintre voulait raconter, mais comment est-ce qu'elle a été reçue, cette fresque? Mais alors, oui, il y a des documents, il y a quelque chose qui on peut... C'était sûrement étonnant, non? Parce que c'est fort. C'est quelque chose qui touche beaucoup, non? Surtout la tyrannie, c'est une image terrible à voir. Et vous devez imaginer que la salle, ce n'est pas énorme. Donc, tu vois les images qui sont très, très grandes par rapport aux dimensions de la salle. Et là, c'était vraiment quelque chose qui a eu un impact très fort dans la vie des gens, surtout comme un rappel, non? Comme une possibilité de voir en même temps la possibilité du bien et du mal. Donc, c'était très fort. Mais on peut chercher quelque chose là-dessus. Oui, oui. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Alors, moi, vraiment peut-être une dernière question. Et si on voulait voir, est-ce que l'on peut visiter cette fresque? Est-ce que l'on peut aller à Sienne et regarder et admirer? C'est un musée? Oui, oui, oui. Non, c'est le palais public. Donc, c'est ouvert aux visiteurs. Donc, on peut les voir tranquillement. Si quelqu'un a envie, je peux lui donner les infos pour les visiter, oui, bien sûr. Bien, c'est une bonne raison, une autre oui, bonne raison pour... Oui, voilà. Et OK. Voilà, est-ce que quelqu'un veut encore poser une question? Ou sinon,
Je demanderai combien pour rajouter un peu quelque chose à Suzanne, parce qu'elle a fait allusion au fait qu'il y avait Duccio, Simone Martini, Lorenzetti, enfin, il y avait une concentration d'une qualité artistique incroyable. Et c'est la paix. C'est la paix qui donne la possibilité aux gens de grandir, non, d'apprendre, de voyager, parce qu'ils étaient des élèves de Giotto, donc ils avaient changé avec lui, et c'est une période incroyable pour Sienne. Mais Lando di Pietro, l'auteur du Crucifix, il était un orfèvrier. Un orfèvre. Orfèvre. Et en même temps architecte, il a fait les travaux d'élargissement de la cathédrale. Donc, vraiment, ils sont des années dans lesquelles Sienne, elle devient vraiment la capitale, on disait, mais il ne faut pas le dire avec les Florentins, parce qu'ils sont jalouses, mais dans ces périodes, elle devient vraiment une ville dans laquelle il y a une quantité d'artistes, de travail, de choses magnifiques, magnifiques. Oui, c'est une période, mais c'est tout le monde le dit que c'est vraiment le fruit de cette période de paix. Et donc, il faut y penser à ça. Merci beaucoup, Suzanne. Merci pour cette soirée. Je reprends juste une idée que vous avez dite. Vous avez dit que la commune n'est pas un appareil politique, mais c'est un instrument de la charité. Et la commune, je pense, n'importe quel pouvoir peut-être, n'est pas un instrument de possession, mais peut être ou devrait être un instrument pour administrer la charité. Je pense que ça peut être une leçon pour nous aussi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous avons parlé de la paix et des fruits de la paix. La prochaine rencontre sera sur la guerre. Nous voulons reparler du conflit en Ukraine. Et nous aurons comme invité Adriano Dell'Asta, qui est un slaviste, qui est spécialiste du monde slave, pour essayer de comprendre un petit peu, alors pas tellement d'un point de vue politique ou d'un point de vue factuel, ce qui est en train de se passer, mais ce qui est en train de signifier ce conflit entre deux frères, en fait, hein, deux pays frères, deux pays slaves. Voilà, ce sera alors le 19 ou le 26 mai, probablement le 26 mai, normalement. Voilà, merci beaucoup à tous et à une prochaine rencontre. Merci. Suzanne, merci beaucoup, vraiment. Merci à vous, vraiment.